Bon, quand on a les questions, bonsoir Karim, ce n'est pas facile de ne pas avoir peur parce que la peur est déjà ancrée en nous. Oui, elle est ancrée en nous. Comment dépasser cette peur? Ça me semble très très bien placé. C'est une vieille légende. Une vieille légende, tu parles que tu as un élève, un disciple, qui veut un maître, qui a le les techniques, les stratégies, ta culture, ou fan, ou arts martiaux, ou des langues, bref, tu as le moins blindé que l'étudiant avec, disciple avec. Pas de calo, essaye, t'as le général, là t'es prêt. Calo, je suis prêt, le chronomètre. Calo, t'es prêt à affronter tes peurs. Tu penses, calo, maître, là, je suis prêt à affronter mes peurs, tiens, ça n'a jamais peur. Calo, la canne de quantité, t'es prêt. Calo, B, qu'est-ce que je dois faire? Calo, N, t'es que les armes, l'alcool. Je dis bien les armes, l'alcool, Lilia, t'es que les armes, l'alcool. Là, tu vas aller tout seul confronter la peur. Il était hésitant, le disciple, il est allé. Il est marché dans les bois, dans l'obscurité. Barre de celle-là, un pas en bref. Il passe une grosse boule de noir pour démon. Il s'est senti tout petit à l'air. Il a senti que le noir l'enveloppait à l'air. Et d'un coup, cette voix, le noir, l'obscurité, l'inconnu, a commencé à parler. Quatre, le moi, je suis la peur. Présente-toi. Introduce yourself. À la haine, je suis le disciple de l'expérience et je veux t'affronter. Est-ce que tu m'accordes le droit de te combattre? Est-ce que tu m'accordes le droit de te combattre? Avec toute l'humilité, la sagesse, les outils, j'apprécie le respect que tu portes envers moi et je t'accorde le privilège de me battre. Et là, il a pris confiance en lui. Et peur. Comment pourrais-je te battre? Qui fait chez Najun Narbak? Yichil Peur a souri et a répondu: les armes terrestres, c'est que je me déplace rapidement, je parle très rapidement, je suis tellement proche de toi que je suis presque collé à ton nez, et je te parle, et je peux te convaincre, et je peux te dire quoi faire, et lorsque tu m'écoutes, tu as peur. Donc, le khouf, il s'est introduit. Mes armes, c'est la rapidité. Je suis à proximité de Darja. Et quand je continue à parler et à te convaincre et tu exécutes ce que je dis, tu as peur. You have fear. Marhaba ya Rahman. Donc, le disciple, il a ah, et si j'écoute pas ce que tu dis, si tu n'écoutes pas, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, j'ai pas de pouvoir sur toi. C'est la clé. Donc, la peur, dit ou tu te plus rapidement que le système nerveux. Vu ces circonstances, tu es sur les nerfs, à la sabre. Tu dois la respecter. C'est très puissant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas battre. Mais Hajabak, tu ne dois pas exécuter ce que la peur est en train de te dire. Les clés sont dictées par le khouf. Évite cette rue, évite cette personne, évite cette conversation, évite cette tâche, évite, évite. L'akfaré, c'est un évitement. Il te conseille d'éviter un comportement alternatif. C'est dit, mais quelque chose à faire. Donc, si tu écoutes, tu respectes la force de la peur. Mais tu ne vas pas dans le sens des propos de la peur. Et là, tu commences à la combattre. Donc l'idée, c'est pas de combattre, d'anéantir la peur en 1000 pièces. Non, c'est de respecter la peur, cette force qu'il y a un mécanisme de survie vieux de 2 milliards d'années, de la respecter, mais de ne pas l'obéir comme un aveugle. Est dictée par les peurs. هنا نرجع لأول لايف اللي حكينا على الفوكس.